Bienvenue à Bordeaux et sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zéro. C'est une affaire bien étrange qui va nous intéresser aujourd'hui. En 3 ans, une trentaine de jeunes hommes, tous étudiants, ont été retrouvés noyés dans des fleuves de France après ce qu'on appelle des soirées arrosées entre amis. S'il y a eu des accidents, bien sûr, certaines affaires indiquent que ces noyades ne seraient pas toutes dues à un alcoolisme excessif de la part des jeunes. En 2011, une première série va hanter la ville de Lille avec 6 victimes. Puis à Nantes avec 2 noyés en 24 heures. Et ça reprend ici à Bordeaux en 2012, où en 10 mois, 6 jeunes, tous étudiants, sans histoire, ont été engloutis par la Garonne. Un épais mystère recouvre ces disparitions qui, pour la plupart, restent inexpliquées. Et quand on tombe dans la Garonne, on se noie. 9 fois sur 10. Donc moi, tant qu'on ne va pas prouver que c'est effectivement un accident, pourquoi c'en est un ? Il apparaît clairement que ces jeunes, à un moment donné, au moment crucial, se sont retrouvés tout seuls. Depuis le 27 mars, jour où nous avons retrouvé notre fils noyé dans la Garonne, nous avons une porte close. S'entendre dire, alors qu'on est dans le deuil, que celui qui est mort était un alcoolique et un drogué mal élevé, ça ressemble à quoi ? C'est scandaleux de ne pas avoir accès à des résultats qui concernent notre enfant. C'est un ministère public qui s'inquiète de l'opinion publique et des médias, plus que des parents victimes ou pas, mais en tout cas d'un drame certainement qu'il est censé protéger. Qu'on me donne toutes les bandes, je passerai le reste de ma vie à chercher. Savez-vous que l'auteur de l'usage de cette carte bleue a été identifié et interpellé ? Il n'y avait pas d'eau dans les poumons, pas d'eau au niveau du cœur. Donc, pour moi, ce n'est pas une noyade. Il avait un coup au niveau de la tempe et il saignait du nez. On veut juste une réponse sincère, faite par des enquêteurs qui font leur boulot. Ah, il a été drogué. J'affirme, il a été drogué. Je serais un peu plus à la recherche de la justice, parce que la vérité, je commence à me demander si on pourra l'obtenir un jour. Valentin, Maxime, Vincent, Julien, Nicolas. Des prénoms qui s'égrènent sur une liste maudite qui hante les bords de la Garonne. À Bordeaux, en moins d'un an, 6 jeunes garçons disparaissent mystérieusement après une soirée alcoolisée entre amis. Quelques jours plus tard, leurs corps sont tous retrouvés dans la Garonne. Mais ces affaires ont des précédents. Les premiers cas vont tenailler la Bretagne, la Normandie et le Nord en 2009. L'année suivante, 4 noyés succèdent dans l'est de la France. En 2011,